Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va parler du patch du 23 juin 2020, à savoir la mise à jour 2.52.0 avec l'arrivée de Mei, mais également, pas que Mei, tout simplement, la nouvelle anomalie du Nexus. Je mets moins fort la musique, voilà. Donc, nous avons l'arrivée de Mei, guide de Mei qui est disponible, donc je vous invite à aller voir le perso. Pas de changement sur les valeurs sur Mei. Alors j'ai pas fait cette mise à jour, elle a eu des changements, donc j'avais hésité à la sortir justement parce que sur le PTR, à mon avis, je sentais qu'il allait y avoir des changements. J'ai les eu fines puisque c'était bon. C'est bon, il y a des changements, notamment nouvelle anomalie du Nexus. Alors, tout d'abord, l'appel à l'aide, donc l'effort. Tout d'abord, merci à tous pour vos très nombreux commentaires au sujet de l'anomalie. Un appel à l'aide. Nous sommes reconnaissants du temps que vous avez pris, donc ça parle sur l'effort. Hein. Et cela nous a été très utile pour décider de la suite. En termes de modification, nous avons décidé de conserver le système d'attaque des tours avec quelques ajustements. Afin de récompenser les styles de jeu agressifs durant la phase de progression des voies, nous supprimons le malus d'armure qui infligeait les tours. Plus de vulnérabilité par les tours. De même, ces dernières ne cibleront plus en priorité les héros qui attaquent d'autres héros à portée. Donc, on revient à l'ancien système pour les tours. Les forts, les bastions et l'idole privilégieront toujours les héros adverses qui attaquent d'autres héros, ce qui contribue à en faire des bâtiments importants, si bien à défendre qu'à abattre. Nous surveillerons les effets de ces changements et reviendrons sur ces systèmes à l'avenir si nous le jugeons nécessaire. Donc, en fait, les tours, on va à l'ancien système, les forts, on revient pas à l'ancien système. Pour moi, c'est toujours un problème. Je compte faire un gros retour à Blizzard là-dessus pour leur montrer à quel point on va à l'envers par rapport à ce qui avait été fait avant, en fait. Nouvelle anomalie du Nexus. Phénomène climatique. D'étranges perturbations climatiques ont été enregistrées dans le Nexus. Certains royaumes sont noyés sous des pluies torrentielles, d'autres pris dans une tempête de neige, blablabla. En gros, c'est l'événement pour dire que Mei arrive. Et donc, il y a tout ce nouveau système sur la météo que j'avais déjà présenté sur l'interview avec les devs, etc. C'est assez cool. Donc chaque champ de bataille sera soumis à un phénomène bien précis qui se déclenchera toutes les 4 minutes. Le premier ayant lieu au tout début de partie, chaque événement durera 2 minutes puis cessera. Le cycle se répétera périodiquement jusqu'à la fin de partie. Donc ça c'est bien, on enlève le côté aléatoire. On enlève le côté aléatoire, on donne un vrai critère, donc toutes les 4 minutes le premier a lieu et ensuite chaque événement dure 2 minutes. Plus torrentiel, la foudre frappe les héros toutes les 25 à 40 secondes, augmentant leur vitesse de déplacement et leur conférant un bouclier de foudre qui inflige des dégâts aux ennemis proches. Vitesse de déplacement augmentée de 15%, inflige 46 points de dégâts par seconde aux ennemis proches. Alors 46 points, il me semble qu'ils ont baissé les dégâts. Inflige des dégâts. Ah ouais, non, ils n'avaient pas précisé en fait. À côté de ça, dure 8 secondes, donc pas de problème. Tempête de neige, tant qu'ils ne sont pas en combat, les héros accumulent progressivement un bouclier et les héros gagnent 28. Alors au départ c'était 20% il me semble la vitesse de déplacement, ils l'ont baissé à 15, hein. Il me semble que c'est ça. La vitesse de déplacement augmentée de 25%, ouais, c'est ça. Ils l'ont baissé à 15, c'était un peu trop fort et ils ont bien raison. Tempête de neige, donc tant qu'ils sont pas en combat, les héros cumulent progressivement un bouclier. Donc le même délire. Jusqu'à 224, donc là c'est pas un problème, c'est pareil. C'est tout simplement comme le shield de Muradin, enfin c'est comme la sustain de Muradin mais en version shield. Donc voilà, c'est le bouclier persiste jusqu'à sa destruction à la fin des chutes de neige. Brume épaisse permet aux héros de se camoufler après avoir passé un court instant dans les buissons. Après passer 1,5 secondes dans un buisson, les héros bénéficient d'un camouflage. Le camouflage dure 40 secondes jusqu'à ce que le héros attaque. Ça c'est fort, hein. La brume épaisse, soyons honnêtes, c'est pas dégueulasse. Hein. Alors attention, vous pouvez vous faire surprendre. Si votre camouflage était mis et que la brume se termine, vous êtes pufufu. Donc faut faire attention à ça. Les événements climatiques seront actifs sur les champs de bataille suivants. Donc la pluie, c'est Jardin de Terreur, Sky Temple, menace nucléaire, Comté Dragon, Baie du Cœur Noir et Braxis, qui est un astéroïde. Laboratoire de Braxis, c'est un astéroïde. Oui, oui, il pleut sur un astéroïde. La tempête de neige, ou la brume aurait été plus logique. Tempête de neige, Valmody, Sanctuaire d'Inferno, Volskaya et Passe d'Alterac. Brume épaisse, Spider Queen, donc Tombe de la Reine Araignée, BOE, Battlefield of Eternity, Temple d'Anamora et Tour du Destin. Tous les autres champs de bataille sont affectés par un climat aléatoire, y compris les chocs, donc les arames. Général, l'IA, la distance maximale à laquelle les héros contrôlés par l'IA suivent les joueurs a été portée de 5 à 7. Permettra aux héros de mêlée qui suivent des héros à distance d'attaquer les cibles à portée maximale, donc ça c'est bien. Talent favori, un nouveau raccourci appelé sélection rapide des talents favoris a été ajouté dans la sélection gestion du héros des paramètres raccourcis avancés. Appuyez sur ce raccourci pour sélectionner les talents favoris que vous aurez choisi à l'avance. Lorsque fenêtre de sélection rapide des talents est ouverte, talent choisi à l'avance désactivé ou aucun palier ultérieur sélectionné, ce raccourci n'aura aucun effet. Ça je suis pas fan, ça je l'avais dit, tant que c'est juste un indicateur, pas de problème. Si par contre ça prend le talent à votre place, ça je trouve ça nul à chier, déjà trop de gens ne s'adaptent pas. Si en plus il y a un truc qui est fait pour eux, je trouve ça nul.
Mais par contre, bon, le système des talents favoris, je trouve ça génial. Événement, quel événement Nexomania, donc l'arrivée de Nexomania, hein, si vous avez suivi ma vidéo sur l'interview, vous le savez, Nexomania, tout ça, avec la quête Malgocho et la quête de la Gata da Bataria, donc celle de Lily, des nouveaux coffres avec, blablabla, pas de soucis, les skins, on en a parlé déjà, pas de problème, pas de problème. League Storm, à l'approche de la troisième saison de 2020, nous tenons à apporter quelques modifications à la structure des récompenses de la League Storm. Remplacement des récompenses en or, à compter de la saison 3 2020, nous supprimons toutes les récompenses en or de la League Storm. Des prix de fin de saison et des quêtes saisonnières. Ça affectera également les récompenses de saison 2. Nouvelle structure des récompenses des quêtes saisonnières sera suivante. Un coffre au bout de 5 victoires, un coffre 2 rares au bout de 15 victoires et un coffre Nexomania épique au bout de 30 victoires. Monture offerte en récompense de la League Storm. Depuis les débuts de la League Storm, nous avons reçu de nombreux commentaires au sujet du retrait des montures offertes en récompense des parties classées. Nous vous avons compris et c'est avec grande joie que nous vous annonçons que les montures exclusives à la League Storm feront leur retour dès la prochaine saison. L'ultime récompense des quêtes de la saison 3 de 2020 sera la monture Tigre Royal qui s'obtiendra en remportant 50 parties classées. Dès la saison 3, vous ne devrez plus attendre jusqu'à la fin de saison pour obtenir votre Tigre Royal durement acquis. Dadalalalala. Comme toujours, nous restons à votre écoute, tout ça, tout ça. Refonte de héros, Mal'Ganis. Et ce patch est énorme. Hein. Entre les anomalies, les changements sur les tours et les forts, l'arrivée du Nexomania, les changements sur l'IA, il y a tellement de choses. Patch énorme et du coup, rework Mal'Ganis. Refonte de Mal'Ganis. Alors déjà, un changement sur les valeurs, puisque Mal'Ganis a gagné des PV. Il en a perdu, hein, bien sûr. Point de vie réduit de 2500 à 2450, mais on n'a pas fait perdre autant que sur le PTR. Récupération qui s'adapte. Attaque de base. Les dégâts des attaques de base sont réduits de 100 à 92. Grigangrène est réduit de... Les dégâts réduits de 69 à 63 points. Donc on l'affaiblit un petit peu sur sa valeur de base. Par contre, ses talents vont être extrêmement renforcés. L'aura vampirique, fonctionnalité supplémentaire, Mal'Ganis récupère un montant de points de vie équivalent à 30% des dégâts physiques infligés. Donc en gros, il a l'aura vampirique, version améliorée pour lui-même. Mais l'aura, pour les alliés, elle fonctionne toujours de la même manière. Et ça, c'est une très bonne idée. Sustentation, soin réduit de 52 à 44 points, donc beaucoup plus faible. Par contre, si Mal'Ganis inflige des gains à un héros proche avec Griffe Gangrenée, les soins sont doublés. Ouais, moi je trouve la sustentation à prix cher, mais bon. Nouveau cas, tourment morbide, bonus de soins contre les héros adverses augmenté de 15 à 20%. Donc ça c'est plutôt cool. Puissance de Sargeras ne réduit plus la durée des trains nécrotiques. Ça c'est très très fort. Ça fait que le Z, donc le Z qui avant passait l'armure à 50 au lieu de 25, contre du burst c'était très fort, et eh bien c'est toujours très fort contre beaucoup de burst. C'est encore meilleur parce que la durée n'est pas réduite. Écho funeste, donc les doubles explosions. Dégâts de l'explosion augmentés de 50 à 54 points, donc plus de soins ainsi sur le Z. N'augmente plus la durée d'étreinte nécrotique lorsque son explosion inflige dégâts au adverse. Fonctionnalité supplémentaire, rend 5 points de mana et réduit le temps de recharge d'étreinte nécrotique de 0,75 secondes pour chaque héros adverse blessé par l'explosion. En gros, vous faites double explosion qui fait plus mal, donc plus de soins. Et en plus de ça, si vous touchez des héros avec la deuxième explosion, vous récupérez plus vite votre Z pour faire double plus d'explosions, etc., etc. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur l'écho funeste. Niveau 7, cauchemar furtif, supprimé. Griffe acérée, nouveau fonctionnalité. Si vous touchez des héros adverses et griffes gangrenées, les attaques de base consécutives réduisent également leur armure de 15 points pendant 2 secondes. C'est pas mal même si c'est pas énorme. Voté Tichondrius, nouveau fonctionnement. Pour chaque héros adverse touché par les deux premières attaques de griffes gangrenées, l'attaque finale siphonne 1% des points de vie maximum jusqu'à un maximum de 4%. Donc le petit rappel c'est qu'avant c'était 3%, Volonté Ticondrius c'était 3% de maximum de PV en zone. Maintenant en fait si vous faites, vous touchez un seul gars avec un premier Q-spell, deuxième Q-spell, vous montez à 2% de maximum PV. Donc c'est un nerf par rapport à avant. Le truc c'est que maintenant si vous faites ça avec deux héros, bah, le troisième touchera forcément 4%. C'est quoi ça? En fait ça vous oblige à balancer les Q et à toucher vos Q. Mais le troisième du coup peut faire plus mal qu'avant encore. Donc c'est un buff. Si vous vous appliquez, parce qu'il suffit, parce que même si vous ratez avec votre premier A, vous touchez personne, le deuxième A, vous touchez 3 gars, 3%. Donc comme avant. Si vous touchez 2 gars avec le premier et 2 gars après, 4% de maximum PV. Si vous touchez 4 gars sur la première, personne sur la deuxième et vous touchez 3, 4%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si Mal'Ganis touche au moins 4 héros adverses avec les deux premières attaques de griffes gangrénées, l'attaque finale étourdit les ennemis pendant 0,25 secondes supplémentaires. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le stun dure un peu plus longtemps si vous touchez 4 héros. C'est plutôt sympathique. Alors c'est 4 héros avec les deux premières attaques. Donc potentiellement la première compte par exemple peut-être 1 héros. La deuxième 3 héros. Ça fait 4 en tout. 0,25 secondes supplémentaires. Donc volonté de toujours très très fort. Contagion.
Fonctionnement modifié, donc c'est la rage ardente de Mal'Ganis. Si vous avez appuyé, enfin, si vous appuyez sur E avec les ailes de la nuit sur un ennemi, eh bien l'effet de contagion débute désormais quand Mal'Ganis active l'aile de la nuit et plus quand cette dernière expire. Donc vous avez des dots, vous mettez des dots sur le mec endormi et vous n'allez pas le réveiller et en plus il prend des dots. Nuit éternelle, fonctionnalité, et vous pouvez réactualiser la durée avec vos auto-attaques. Nuit éternelle, fonctionnalité supplémentaire, les attaques de base infligent 200% de dégâts supplémentaires aux cibles endormies. Ça c'est très bien, c'est le truc qui fait que le E dure plus longtemps, hein, slow, enfin slow pardon, le E slow, 30% je crois à la sortie, donc ça c'est pas mal. Ça fait une grosse patate hein, mine de rien à la sortie. Assaut fébrile, nouveau fonctionnement, les attaques de base portées, alors ça c'est enfin ce 16 devient viable. Nouveau fonctionnement, donc les attaques de base portées au héros dont le pourcentage de points de vie est supérieur à celui de Mal'Ganis rend un montant de points de vie équivalent à 50% des dégâts infligés. Donc si un mec a plus de PV que vous, vous vous soignez plus. Si les attaques de base portées au héros dont le pourcentage de points de vie est inférieur à celui de Mal'Ganis, vous augmentez de votre vitesse d'attaque de 35%. En gros, si vous attaquez un mec qui a plus de PV que vous, vous vous soignez plus pour pouvoir remonter. Et si vous attaquez un mec qui a moins de PV que vous, vous augmentez votre vitesse d'attaque, donc vos dégâts. Dans tous les cas, vous aurez un bonus. Alors qu'avant, le bonus c'était que si vous affrontiez des mecs qui avaient plus de PV que vous. Donc dans certains cas, vous n'aviez pas de 16. Très très bon changement, je trouve. Rage aveugle, fonctionnalité supplémentaire, les héros adverses touchés par l'attaque finale de Griffe Gangrenée réduisent de 5 secondes le temps de recharge de cette capacité. Donc en gros, vous allez avoir plus de rage aveugle. C'est pas mal. Et je rappelle au passage, évidemment, la rage aveugle fait toujours proc la volonté de Ticondrius s'améliorer. Mort au faible, niveau 20, ralentissement augmenté de 15 à 25%. Donc ça vous soigne plus sur, si vous tapez des mecs slow et vos auto-attaques slow les adversaires. Isolement ténébreux, fonctionnalité supplémentaire réduit le temps de recharge d'aile de la nuit de 4 secondes, donc plus de sleep, plutôt fort. C'est plutôt fort hein, le sleep, plus, et potentiellement avec le sleep qui dure plus longtemps ou qui slow plus, bah, c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup de contrôle. C'est bien parce que c'est vrai qu'au 20 on a surtout la volonté de Ticondrius améliorée, le vol de charognard amélioré, donc améliorer les autres 20 je trouve ça vraiment pas mal. Donc ces modifications visent principalement à rendre les talents de Mal'Ganis globalement plus intéressants et percutants. C'est nécessaire d'affaiblir légèrement son arsenal de base afin que son niveau de puissance demeure équivalent à celui des autres guerriers. Pensons qu'il restera tout aussi performant. En outre, les joueurs pourront mieux adapter leur héros à leur style de jeu. C'est une très bonne chose. Bourbi ! Un buff sur Bourbi ! Les points de vie sont augmentés de 324 à 420. L'œuf est plus tanky ! L'échelonnement des points de vie par niveau est désormais de 4% le 30 points fixe. Donc ça veut dire que bah, l'œuf, ça, c'est un énorme buff sur celui qui augmente les points de vie de l'œuf. C'est celui que je prends toujours au niveau 1 sur Marquis de toute façon maintenant. Donc ça fait que l'œuf est beaucoup plus tanky, donc c'est cool. Voilà, donc c'est pas mal. Correction de bugs, soit tout ça, sur Anduin, Bourbi, Balafré, Tassada, rien de bien méchant. Donc grosse patch note, c'est vrai que là on voit que surtout le rework Mal'Ganis et autres, puisque je fais le guide sur Mei. Mais au final ça apporte beaucoup de choses dans le jeu, que ce soit au niveau des cosmétiques et autres. Donc très très grosse mise à jour. J'espère qu'elle vous plaît, globalement moi j'aime beaucoup le rework de Mal'Ganis. On fera un guide bien sûr pour Mal'Ganis. Mais bon, je dois faire Cassia d'abord et Tracer. Mais c'est prévu hein, de faire un guide sur Mal'Ganis et honnêtement j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Le build classique à l'ancienne est toujours viable. Et maintenant il y a potentiellement un petit build auto-attaque qui peut très bien fonctionner aussi. Donc vraiment non, vraiment pas mal, pas mal du tout entre Mei qui est un super perso et Mal'Ganis, le rework qui est très intéressant, qui est très bien fait, qui est très bien foutu. Voyons, que dire de plus. Moi je, personnellement j'aime beaucoup. Ce qui manque pour la météo, je pense, le petit coup de gueule, je dirais, c'est pour la météo. Je pense qu'un retour qui sera intéressant à faire, c'est il faudrait qu'on ait le timer. Parce que là, il y a les timers, c'est bien, mais il faudrait qu'ils affichent les timers. En haut, il y a un affichage qui vous annonce les bonus que vous avez en jeu. Il faudrait un timer en mode, ah bah là, dans 30 secondes, le truc va pop. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire voilà, les commentaires concernant la mise à jour. Est-ce que vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content. Plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et à plus dans le Nexus. Oubliez pas le like, oubliez pas le partage, oubliez pas les follow, tout ça, les réseaux sociaux. Et au passage, la musique, c'est la musique, le thème officiel d'Heroes pour Mei d'Overwatch. Voilà, vous tapez Mei Music Overwatch, vous allez tomber sur la chaîne YouTube de Warcraft Music and Gaming. Très très bon. Et vous avez toutes les musiques d'ailleurs d'Heroes. Voilà, bisous!